Et c'est parti pour le show, et c'est parti le study show, et c'est parti, bouge-toi sur ce flow. Hey, hey, I'm Elma, welcome to my channel, thank you so much for joining me for something quite different. I'm gonna switch to French real quick, but I wanted to say, if you're English speaking and you don't understand French, I'm sorry, I'm gonna try my best and figure out this whole subtitle situation, but I cannot promise anything. I just really wanted to do a video in French because I am half French. Makeup is something I learned surprisingly so in English, because when I started wearing makeup, I was 18 and I'd left the house and I was in boarding school, so yeah, most of my makeup stuff, I mostly like learned all of it in English. So I told myself, let me give myself a little challenge and just switch to French. So let's switch. Bonjour, je m'appelle Elma. Petite intro en anglais et là l'intro en français. Donc, comme je disais, si vous ne l'avez pas compris, je ne sais pas comment ça va se passer pour les sous-titres en anglais parce que je suis nouvelle à tout ça. Et puis j'espère que ceux qui parlent français et qui comprennent cette vidéo sans sous-titres, j'espère que ça va vous plaire et que si ça vous plaît, s'il vous plaît, dites-le moi, des pouces bleus, des commentaires, genre bombardez-moi, comme ça je sais que peut-être que ça vous plaît et que vous voulez aussi voir du contenu. Bref, en français aussi. Bon, tout ce qui est lifestyle et tout, je suis désolée, j'ai resté ça en anglais parce que j'ai vraiment du mal. Genre, ok, oui, je suis française, mais j'ai tellement du mal à m'exprimer en français. Genre, mon pauvre père, il doit trop avoir la honte. Don't get me wrong, je parle français, c'est juste que la plupart des trucs que je fais, c'est en anglais. La télé, je regarde en français. Le seul truc télé française que je regarde régulièrement, c'est Quotidien, c'est tout. Le reste... Je me suis dit, vas-y, on va mettre un petit coup de bleu, blanc, rouge sur la chaîne et j'espère que ça va vous plaire. Donc, pour aujourd'hui, franchement, ok, je vous explique. J'avais déjà filmé une vidéo en français, mais le truc, c'était vraiment genre super simple et tout. C'était mon make-up de tous les jours et puis après, j'ai filmé une vidéo avec ma sœur et puis là, j'ai fait mon make-up de tous les jours. Et je me suis dit, non, je peux pas faire deux make-up de tous les jours. Du coup, je me suis dit, non, je vais faire un smoky. Et ça donne ça. Et franchement, les gars, I'm feeling myself. Mais next level, quoi, genre. J'ai pas de filtre, rien du tout. Mais mon visage a l'air, mais tellement... Attends, on va faire ça, on va zoomer, mais... Oh, franchement, des fois... Je m'épate moi-même, genre je regarde, je suis comme c'est toi qui as fait ça, et oui c'est moi qui ai fait ça. Et... Donc si vous voulez voir ce tutoriel en français, bah continuez à regarder et puis oui je vais parler d'autres vidéos et la plupart d'entre elles sont en anglais, mais si vous voulez quand même regarder et puis améliorer l'anglais, si vous ne savez pas très bien parler anglais, c'est l'occasion, regardez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et on va commencer le désastre qui finit en... Donc, j'ai déjà appliqué genre mon soin de peau, tout ça, mais entre temps j'ai fait une petite vidéo Instagram de comment je fais mes sourcils, donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir comment je fais mes sourcils. Donc j'ai la peau qui tiraille un petit peu, donc pour redonner un petit peu de... pour réhydrater ma peau vu que j'ai une peau sèche, si vous ne le saviez pas. Je vais utiliser la Drunk Elephant huile luxueuse pour le visage, qui est celle-ci. Ce truc, c'est magnifique. Il t'en faut très peu. Genre juste comme ça, ça suffit. Et tu massages ça. Et t'essayes de pas le mettre dans tes sourcils. Et t'es good to go. Du coup, on va passer aux yeux directement parce que je fais les yeux d'abord, puis le teint. Je sais, il y en a qui font le teint d'abord puis les yeux, mais moi j'aime pas, des fois j'ai peur qu'il y ait certains fards à paupières, j'ai peur des chutes. Donc comme base à paupières, je vais aller avec la NARS Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base qui est celle-ci. Je l'adore, ça fait super longtemps que je l'avais pas utilisée et l'autre jour je l'ai mise et j'étais comme oh my god, I love you. Et moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est après mettre une base, j'aime bien mettre un petit peu de poudre fixante pour pas que, bah pour pas
que ça bouge. Hein. Pour la poudre fixante, je vais utiliser celle de Fenty Beauty. J'ai une vidéo qui se trouve juste ici, si vous êtes intéressé. Juste passer par là, comme ça. Je vais vous faire un petit smoky parce que je trouve que ça fait vachement longtemps que j'en ai pas fait. Et pour ça, je vais utiliser la palette de Dose of Color Daisy and Kaylee Francation. Et elle se trouve. Regardez-moi comment elle est tellement belle, cette palette. Comme si j'ai pas assez de brun, mais c'est. En fait, je l'ai prise, ok, je vous explique. Je l'ai prise parce qu'il y avait genre toutes ces couleurs là, comme ça là. Ça là, je suis en kiff. Voilà. J'ai appliqué la couleur Necessary dans. Ça va être tellement long à éditer cette vidéo, faut que j'arrête de parler. Je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Avec cette petite brosse de Morphe, c'est la M505. Donc moi le truc avec moi c'est j'estompe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Je vais y aller avec cette couleur ici, ça s'appelle Churro. Bon, on va aller avec le Sigma Diffused Crease, le E38. Donc dites-moi, vous qui parlez français ou ceux qui ne parlent pas français, ça va so far? Donc ça, je vais l'appliquer par-dessus tout le concentré à l'extérieur et juste l'estomper. Donc je commence à créer un genre de... Bon là c'est gradient, bref, du clair au foncé quoi, c'est ça que je suis en train de dire. Je vais repartir avec le pinceau d'avant sans rajouter de produit et je vais juste estomper. Je vais partir avec le Morphe E22 et je vais partir avec la couleur ici qui s'appelle Chains. Et cette couleur, je vais l'appliquer par-dessus, mais je vais le ramener un petit peu vers le centre. Ouf. Le truc, c'est que je vais le ramener un petit peu plus là pour... Je vais faire la même chose de ce côté. Et je vais repartir avec le deuxième pinceau qui avait cette couleur chaud dessus, mais je vais pas en rajouter. Et je vais juste estomper comme ça. Et maintenant on va repartir avec la couleur Necessary et on va vraiment juste légèrement en appliquer sur le pinceau et juste estomper ce qui est tout autour comme ça. Il n'y a pas de démarcation. Alors pour ce côté vraiment smoky, je vais faire un trait de liner noir tout le long de mon ras de cils. Et je vais l'estomper après avec un pinceau. Donc juste y aller doucement avec des petits traits. S'il est un peu sec, juste le mettre sur le dos de la main pour le chauffer. Et on repart. C'est pas obligé d'être super propre parce que va estomper. Ouais, je vais aller avec un pinceau comme ça. Et je vais utiliser encore cette couleur Chins. Vous voyez la différence, c'est beaucoup plus. On va faire pareil de l'autre côté. C'est cute, non? Et là, je vais aller avec une brosse propre et je vais juste estomper. Voilà, voilà. Pas de chute, donc ça va. On va passer au visage. Donc, pour la base de mon visage, je vais mélanger le Makeup Forever Step 1 base hydratante, c'est celui-là, et la base Radiance de Laura Mercier, c'est celle-ci. Et je vais juste le mélanger sur le dos de ma main. Et pour un petit peu de brillance sous mon fond de teint, je vais rajouter ces gouttes de CoverFX. Je m'en rappelle plus le nom, mais je vais tout mettre en barre d'infos. Et je vais juste en rajouter sur mes cheveux apparemment. Un peu là, un peu là, un
là. En gros, je veux que ça brille, quoi. Et j'ai utilisé cette brosse de Real Techniques, c'est la Dual Fiber Contour Brush. Mais je vais juste l'utiliser pour vraiment se déstamper. Ça a l'air de ouf pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, ça va être beau après. Alors pour fond de teint, je vais utiliser le fond de teint éclat naturel longue tenue de NARS et ma couleur est en Syracuse. Et j'adore ce fond de teint, je crois que c'est genre le meilleur fond de teint que j'ai utilisé de ma vie. Il couvre mais tellement bien, il te donne une peau mais sublime. Et en plus de ça, le meilleur point de ce fond de teint, c'est que c'est longue tenue, vraiment. Je vais estomper ça et pour estomper, je vais utiliser mon éponge Juno. Alors regardez ça quoi, comment c'est juste trop magnifique. Et cette couleur, elle est juste parfaite. Regardez-moi ce teint, trop beau. Si vous voulez, vous pouvez en rajouter plus, mais moi, vu que j'ai rajouté plein de trucs après, cette pouvance, elle est juste parfaite. J'aime pas trop quand c'est trop couvrant, parce que j'aime bien que mes petites taches, machin, ressortent à travers ma peau. Comme concealer, j'ai utilisé le nouveau Pro Filter correcteur de Fenty Beauty, et ça, c'est dans la teinte 260, et je vais aussi utiliser celle dans la teinte 300. Si vous voulez une vidéo un petit peu plus détaillée de ma revue sur ce produit, bon, elle est en anglais, mais sorry, vous pouvez la trouver là. Donc, je vais d'abord aller avec la teinte 300, et je vais juste l'appliquer là, comme ça, montrer un peu plus là. Et maintenant, je vais aller avec la teinte 260. Oh, c'est trop joli. Je vais mettre de la poudre par-dessus pour pas que ça bouge. Et je vais y aller avec un pinceau. Et le pinceau que j'utilise, c'est le E48 de chez Morphe. Et la poudre que j'utilise, c'est celle de Fenty Beauty dans la teinte banane. Je vais en mettre un petit peu plus. Je vais repasser aux yeux. Pour les yeux, je vais repartir avec cette palette et je vais y aller directement avec la couleur Churro. Je vais juste estomper mon bras de cils inférieur. Et je vais partir avec le kohl de L'Oréal. Je vais venir estomper. Je vais appliquer du mascara avant de mettre mes faux cils. Et pour ça, je vais utiliser le MAC Extended Play Giga Black Lash. C'est celui-là. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça et pas mettre de faux cils, mais moi je vais en mettre. Pour les faux cils, je vais ouvrir mon livre de faux cils. Je vais utiliser ceux-là en haut. C'est de la marque DKND et c'est une marque de cils montréalaise. J'ai mis un peu de colle sur mes faux cils et je vais passer au reste en attendant que ça sèche un tout petit peu. Et pour le contour, je vais utiliser le Anastasia Stick, enfin le fond de teint de Anastasia en stick dans la couleur May. Et j'aime beaucoup cette couleur parce qu'elle est vraiment froide. Du coup, c'est juste parfait pour le contour.
Ça crée vraiment genre une ombre. Je vais aller avec mon pinceau Sculpting Brush de Real Techniques. Je vais juste estomper ça. Ça, c'est mon pinceau favori pour estomper tout ce qui est contour en crème comme ça. Je trouve que ça estompe vachement rapidement. Vraiment bien. Ça crée juste de l'ombre. J'aime bien appliquer mon contour un peu plus haut. Comme ça, après, quand ça estompe, ça descend pas trop bas. Donc, on estompe toujours vers le haut. Et pour mon nez, je vais utiliser le Real Techniques, c'est quoi, mais en tout cas, c'est celui-là. C'est ça que j'utilise pour estomper les plus petites parties de mon visage. Voilà. Je viens de me faire opérer du nez. Et je mets ça là pour justement créer une ombre en dessous de ma lèvre pour donner l'impression qu'elle est encore plus grosse qu'elle ne l'est. Maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre un petit peu de la poudre partout et je vais utiliser la Translucence, poudre compacte, soyeuse, matifiante de Lancôme. Et ma couleur, c'est dans 400, c'est en 400 bisque. Elle ressemble à ça. Je vais utiliser ce gros pinceau fluffy de Real Techniques, juste pour bien tout fixer. Brume fixante sur le visage, et celle-là c'est de Too Faced, c'est la Hangover 3-in-1 base revitalisante et spray fixateur. C'est une de mes favoris, j'avais switché un petit peu là pour celle de Morphe, mais elle me manquait donc je l'ai sortie aujourd'hui. Genre là, ma peau elle a l'air mais magnifique. J'ai une vidéo ici si vous êtes intéressé pour savoir comment appliquer les faux cils en détail. Hop là. J'adore, c'est donc blush. Je vais utiliser le Deep Throat de NARS et c'est un genre de rose vraiment pimpant, brillant. Pour le pinceau, pour le blush, je vais utiliser le E53 de chez Morphe. Donc comme ça, je vais appliquer légèrement. Je trouvais qu'il y en a plus, celui avec la brosse où il y avait la poudre au visage. J'ai envie de rajouter un petit peu de couleur là au centre et pour ça je vais utiliser le Becca Light Chaser Highlighter et c'est une genre de... c'est un peu duochrome en fait. C'est là quand on l'applique comme ça, ça donne ça. Il y a des petits airs de rosé dedans, du coup je crois que je vais utiliser ça. Et puis si c'est pas assez, je vais aller avec Extra Dimension Skin Finish de MAC en Show Gold. Et elle se trouve comme ça. Chrome aussi. Mais petits airs de rose. Avec ce petit pinceau, et j'ai d'abord utilisé celui de Becca. Ouh, c'est trop beau déjà. Voilà. Pour le highlight de mon nez, je vais aller avec le Hourglass Ambient Strobe Lighting Powder en Euphoric Strobe Light. Et j'ai utilisé le pinceau Setting Brush de Real Techniques. Juste en appliquer sur le bout de mon nez. Tu peux le... J'aime bien cette poudre parce qu'elle est un peu plus subtile. Donc pour les endroits qui ne sont pas les joues, je trouve qu'elle est juste parfaite parce que ça attrape juste vraiment bien. Et ça en fait pas de trop. Là, on met aussi les lèvres. Et pour mes joues, je vais y aller avec celui-là. Je vais y aller avec la A23 de Anastasia Beverly Hills. Juste... D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est... Je vais rajouter un petit peu... Oui, parce que c'est avec le highlight qu'on a mis en dessous, du coup c'est encore plus brillant. Charmant. Juste là. Relever le sourcil. C'est juste trop beau, je suis en amour de make-up. Bronzer pour rajouter un petit peu de couleur là-dedans. Et pour ça, j'ai utilisé le Casino de NARS. Cette brosse de Morphe, le M527, je l'adore parce qu'il est vraiment... c'est un gros pinceau.
qui est pas super dense, du coup ça diffuse vraiment bien le bronzer. Un petit coup sur le nez comme ça. Je vais faire le contour de mes lèvres et pour ça je vais utiliser le lip liner, le crayon à lèvres de Kylie Cosmetics dans la couleur Court K. Autant le liner il était vraiment joli, autant la couleur du lip kit de Court K c'était le truc le plus asséchant et plus patchy de ma life quoi, c'était le pire. C'est comme pourquoi ça pouvait pas être aussi crémeux que le crayon. Je me concentre parce que autant je sais faire du maquillage, autant mettre du lipstick ou quoi sur mes lèvres, je foire tout le temps. La formule de Dose of Colors pour leur lipstick liquide mat est vraiment juste magnifique. Il s'applique et il est tellement confortable. À date, je crois que c'est la première fois que j'applique aussi bien mon rouge à lèvres. Oh purée! Je vais fixer tout ça avec l'unique ultime. Si vous voulez que votre maquillage reste même quand on fait l'amour, genre ce truc, genre ton make-up après il bouge pas. Genre vraiment, il bouge pas. All-nighter. Setting spray de Urban Decay. C'est tout. Et franchement, des fois j'oublie ça et après j'éteins la caméra et je suis comme merde, j'en ai pas mis. Donc je me dis, faut pas que j'oublie. Et voilà la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, donnez-moi des pouces en l'air, comme ça je sais que vous aimez ce genre de vidéo en français. Franchement, entre toi et moi, j'ai fait cette vidéo parce que je voulais me donner ce challenge. Mais après, j'avoue, c'est pas facile. On va finir la vidéo maintenant parce que je crois qu'elle va durer une plombe. Et je m'en excuse. Mais ouais, à plus. Bye. Ah ouais, attends. If you're still here and you speak English and somehow I figured out how to put on subtitles or you decided, no, I'm just gonna watch a video because it's Elma, like, ah, she's my girl. I'm still gonna watch even if I don't understand anything. I love you. I freaking love you. On that note, see you in my next one. It'll be in English, I promise. Bye.